Calme-toi. Non, mais là, c'est un monsieur, là. C'est un monsieur? Ouais. Oh, la tronche. Non. Non, mais le monsieur, il est gentil. Ah oui? Ouais. Alors, s'il est gentil? Ouais. Si je pose une question, il va dire oui? Bah, ça dépend de la question, vas-y. Pose une question. Tu me donnes ta carte bleue? Il s'en fout, il écoute tant. Je voudrais chanter une chanson pour les enfants. Tu veux chanter une chanson pour les enfants? Oui. Eh ben, c'est très bien, vas-y. Qu'est-ce que tu veux chanter? Non, c'est toi qui vas la chanter. Moi, je vais la chanter? Oui. Et c'est quoi ta chanson? Tati Tata Noël. Et mon pote, un chariot. Un chariot, c'est Leclerc, Carrefour. Non, 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 non. Ça s'appelle un traîneau. Un quoi? Un traîneau. Et ça avance comment? Ben, Il y a un moteur? Il n'y a pas de moteur, c'est tiré par des rênes. Par qui? Par des rênes. Oh, les toffies. Mais non! Les reines, les rois, c'est juste des animaux. Ah, c'est fécondant. Eh ben, ils ont des bois sur la tête. Il y a la forêt dessus. Non, il n'y a pas de forêt sur les animaux. Non, c'est comme des chèvres, quoi. Ils ont des cornes. Ah, c'est des cornes, c'est des chèvres. Oui. Et je continue la chanson, hein. Oui, petit... Ouais. Avec des jouets par milliers, n'oublie pas... Ta grosse godasse. Non, mon petit soulier. Quoi? Mon petit soulier. Tu sautes du 50, on dirait des skis. Il me tarde tant. De foutre le camp. Non. T'arrêtes. Non, je commence. Il me tarde tant que le jour. Il se couche, il se couche, il se couche. Non, non, il se couche pas, non. Il se lève. Il fait ce qu'il veut, je m'en fous. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Maintenant, je vais foutre le camp. Ouais. Mais avant, je voudrais dire quelque chose au public. Ah, tu veux dire quelque chose au public? Oui. Et qu'est-ce que tu veux leur dire? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les grands, les petits, avant de partir, je voudrais juste vous dire, je vous aime. Merci. Le point à la réponse la plus approchante, ce voilà. Qui est logique. Et c'est grâce à son produit que je suis devenu beau. Bon, tourne-toi. C'était avant qu'Adriana perfectionne le produit, je l'ai dit. Donc, allez, on va... arriver à des questions un peu plus difficiles. Quoique, Adriana, comme son mari, est très sportive. Elle a pratiqué le sport automobile. Comment s'appelle le rallye auquel elle a participé? Plusieurs fois. Chut. Non, s'il vous plaît. Ta ta ta. Vous allez disqualifier les candidats, vous rendez service à personne. La réponse est incomplète de toute façon. Je vois des bonnes réponses. Alors, allons-y. Monsieur. Bon, monsieur. Rallye des gazelles. Le rallye des gazelles. C'est pas trop loin. Connais pas. Moi, c'était le rallye des éléphants, moi. Rallye des gazelles. Des éléphants. Monsieur. Rallye pareil, des gazelles. Monsieur. Il a pas trop. Bon, il y en a qu'on s'oublie pourtant. Alors, oui, c'est le rallye Aïcha des gazelles. On donne la bonne réponse à ceux qui ont répondu les gazelles. Pas facile, c'est pas facile. Quel est le nom de cette ligne de lunettes? On me prône l'indulgence sur les réponses. Alors, nous avons de toute façon 4 candidats, on joue pour 2 points. Allons-y. Très bien, monsieur. C'est pas ça, j'ai mis Atoll. Atoll! Non, c'est... Oui. Le voisin? D'accord. J'ai un trou. Très bien. C'est pas le nom. Et le dernier. Je sais pas. Afflelou. C'est Atoll. 2 points pour notre candidat. Virgin Radio. 2 points. Allez, attention. 3 points donc. Magali, 3 points. 9e question. Le titre du film. Il répond à une vitesse extraordinaire. C'est un ordinateur. C'est une encyclopédie sur Adriana Carambeu. Il a 8 gigas en mémoire, lui. Hein. Ouais. Oui, voire 16. Donc, les autres, tu interroges les autres candidats, je crois que lui, il sait. Oui, d'accord. Voilà. Bien, pour monsieur. 3 petites sœurs. 3 petites sœurs. Monsieur, il n'y a rien. Monsieur, il n'y a rien. Monsieur, il n'y a alors, rien. Encore une fois, d'accord. C'est 3 petites filles. 3 petites filles. Mais on lui donne les points puisque c'est le plus approchant. Voilà. Je rappelle au candidat que si vous gagnez le voyage, vous partez sans Adriana. Hein. Là, on joue pour 4 points, Magali. 4 points. Messieurs, vous avez forte partie avec notre candidat sélectionné. Grâce à notre partenaire, Virgin Radio, partenaire de l'opération
ma maison bien-aimée pour maison en France Atlantique. Documenté, hein, le garçon, hein. Bien. Hein. Donc, la dernière question. Alors, elle est... Il y a beaucoup de gens qui le savent. Mais bon, on va tester la connaissance de nos amis. Je demande, c'est la dernière question. Il y a un voyage qui est en jeu, même si c'est un jeu, un concours. Laissez-leur leur chance, ne soufflez pas. Et quand les candidats auront répondu, je demanderai à l'assistant s'il y a des gens aussi qui connaissent la réponse. Mais après, s'il vous plaît. Adriana a un chien qu'elle adore. Quel est le nom qu'elle a donné à ce chien? Il a un petit peu plus d'un an maintenant. S'il vous plaît, vous attendez dans la foule. Non, soyez gentil. Alors, monsieur Maître Capello-Vessi. Bien, eh bien voilà. Alors, monsieur. Ah, il ne sait pas. On l'a scotché. Monsieur non plus. Monsieur non plus. Je crois qu'il a quand même gagné avec le nombre de points et qu'il monsieur, a. Et monsieur Kiki. Enfin, Kiki, c'est moi. Il t'a regardé tout à l'heure. Tu l'as enduit d'erreur. C'est terrible. Alors, je suis le chien de Magali. Tu peux faire le compte de chaque point qu'ont gagné nos candidats. Est-ce que dans la foule, quelqu'un sait? Non. Ni Kiki, ni Christian. Non, non. C'est bien, c'est un truc sympa, hein. C'est un petit chien, hein. Oui. C'est un petit chien. Oui, mais ça, c'est sympa le nom que tu lui as donné. Et ça va bien avec les lunettes. Alors, le petit chien à sa mémère. Un petit chien à sa mémère, voilà. Bien sûr. Bravo. Il est en forme, notre Francky. Donc, ben, je vais te laisser le dire. Alors, son petit prénom, c'est Tarzan. Tarzan. Donc, voilà. Avis aux amateurs. Quel est le candidat qui a le plus de points, Magali? A priori, je pense que c'est monsieur, ouais, le premier. Hein. C'est monsieur. Alors, venez nous rejoindre. Venez, monsieur. On va l'applaudir très fort. Il a le plus venez, de points. Grâce à Maison en France Atlantique, un séjour pour deux personnes dans les Caraïbes. La destination est un suspense, mais qui sera communiqué, bien sûr, dans le délai qui est indiqué. C'est un hôtel 3 étoiles qui a les pieds dans l'eau, que je connais bien. Oui, c'est... qui aura lieu à la salle Cinémarine, devait se dérouler sur notre carte podium qui est en face sur le parking. Et malheureusement, les conditions météo il y a 48 heures étant quand même très rafraîchissantes, pas très encourageantes, on n'a pas pu installer la technique. Et donc la technique a été installée à la salle Cinémarine avec des événements réguliers. Au moins tous les trimestres, voire peut-être avant, puisqu'il y a un événement qui va se passer probablement ici à Saint-Gilles dans quelques semaines. Et donc on retrouvera Adriana, on retrouvera nos artistes avec Maison en France Atlantique pour d'autres événements festifs, artistiques, musicaux. Il faudrait redonner des cartes, c'est pas gagné, non? Oui. D'accord, mais voilà, on laisse les gens accéder. C'est gentil, hein. Vous voyez, c'est quand même plus sympa comme ça. Les infrastructures tremblent un peu. Voilà. Laissez d'abord ressortir nos amis avant d'en faire accéder d'autres. Vous ne pouvez pas vous croiser. Nous remercions les amis de la Croix-Rouge également, bien sûr. Donc je vous rappelle, c'était une question du jeu. Adriana est l'ambassadrice. Ça va là ? Et bien sûr, chers amis, on vous remercie de votre fidélité. On est très fiers de votre fidélité d'ailleurs. Très content. Les gens ont répondu.